you? Salut à tous, c'est Ralga pour ce deuxième épisode de Regardons le Rétro sur Pokémon Jaune. Donc, on va reprendre là où on en était. Donc, dans la forêt de Jade, il me semble que j'en étais sorti pour pouvoir sauvegarder et soigner mes Pokémon. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de battre Pierre, tout simplement. Sachant que battre Pierre dans Pokémon Jaune... C'est pas une mince affaire. Hop. Comme il me semble que je disais ça dans la première vidéo, il y a très peu de Pokémon... Il y a très peu de Pokémon efficaces contre les Pokémon Roche au début du jeu, en fait. Que ce soit les Rukul, les Rattata, les Chenipan et compagnie. C'est un peu la dèche. Hop. Un Rukul. Niveau 6. C'est pas mal ça. Hop. Hop. Donc je rappelle, l'objectif c'est de monter Ferro-Singe jusqu'au niveau 9 ou 10. Je sais plus. Pour qu'il obtienne Balayage, une attaque de type combat. Qui va être très efficace contre les Pokémon Roche. Voilà. Voilà. Donc, hop. Ouais, je vais utiliser une potion, en fait. Hop. Voilà. Parce que bon, ce serait dommage qu'il meure tout de suite, le Ferro-Singe. Donc, nous allons affronter un Scout, je suppose. Gagner un Scout. Hop. Un Scout avec des chenipans. Donc comme il n'y a pas Aspico dans le jeu, Aspico, Coconfort et Dardanian ne sont pas disponibles pour le joueur. Ils sont également assez rares dans les Pokémon des adversaires. Donc on croise énormément de chenipans et de Coconfort. Bon, on croise quand même des Aspico, Cocon et des Coconfort. Hein. Chenipan et Crisacier, hein. Je crois, il me semble que j'ai dit une bêtise. Bref. On croise beaucoup de Chenipan. Hop. Hop, Ferro-Singe au niveau 7. Et encore un Chenipan. Bon, s'il enchaîne les sécrétions, ça m'arrange. Comme ça, Ferro-Singe ne prend pas de dégâts. Bon, bah voilà. Ce qui me permet d'économiser les potions. Encore une sécrétion, bah voilà. Hop. Et donc, je n'ai pas perdu de points de vie sur ce combat. Bon. Hop, une potion sur le Ferro-Singe. Alors je n'ai plus la carte en tête. Hop. Je sais que on essaye de faire une course avec les autres animateurs. Donc l'idée c'est quand même d'éviter certains combats, mais je dois quand même. Hop. Mon Ferro-Singe. Et le combat contre les dresseurs, c'est quand même la meilleure chose. Oh purée, un Crisacier qui va spam armure. Ça va être long. Voilà. Voilà, je lui fais quasiment plus de dégâts. Hop, encore au moins 3 ou 4 griffes.
Hop, encore un mur. Je vais en profiter pour faire up un peu les autres Pokémon à côté. Parce que, en fait, je vais avoir un problème très rapidement, c'est que je vais ne plus avoir de PP sur griffe pour le faire au singe et ça va être un peu embêtant. Je vais remettre le fer au singe quand même pour qu'il chope un peu d'XP. Qu'est-ce qu'il me reste comme PP? J'ai pas eu le temps de voir. Un flex de spam comme un débile. Ouais, ça, 6 PP, ça passe encore. Hop. Ah, mais ça descend vite quand même. Ah, fer au singe niveau 8. Et on va appeler un Crisacier, c'est original. Bon, je suppose qu'il va spam armure, comme tous les Crisaciers. Voilà, donc ça va être encore un combat extrêmement long. Donc pour économiser griffes, je vais rechanger. Je vais up le Roucool. Pourquoi spécifiquement le Roucool? Au cas où ça se passe mal contre Pierre, je lui ai fait aucun dégât. Au cas où ça se passe mal contre Pierre, je vais avoir besoin de son attaque jet de sable. Qui va me permettre de tenir beaucoup plus longtemps. Sauf que si je veux que Roucool lance beaucoup de jets de sable, avant de mourir, ce serait bien qu'il ait quelques levels de plus quand même. Hop, armure. C'est interminable ces combats-là. Oh bah coup critique, ok. Voilà, au coup le niveau 7. Bon, hop. Hop. Je sais plus trop par où je dois passer. Oh bah, un objet. Une potion, c'est toujours utile une potion. Hop. Non, faut que je descende. Bon, c'est bon, fer au singe. J'ai encore de la vie et un Roucool. Hop. Oh, je vais un peu le Pikachu. Surtout contre Roucool, il va le one shot ou le two shot. Hop. Presque one shot. Hop. Bon, voilà. Plus de Roucool. Encore un Roucool. Niveau 4 en plus. Bah je vais faire la même. Je vais remettre le Pikachu. Je sais plus à quel level Pikachu apprend Vive Attaque. Qui est une attaque pas électrique. Ah, niveau 8. Apprend Cage Éclair. Bon, c'est pas celle que je pensais. Qui ne sert à rien puisque c'est une attaque électrique et qui me permettra pas de paralyser les Pokémon Roche. Donc je disais, il y a Vive Attaque qui arrive ensuite dans quelques levels, qui est une attaque de type normal qui permet à Pikachu de enfin taper Pierre et ses Pokémon Roche. Mais c'est beaucoup trop haut en level pour que ce soit intéressant. Oh, ça va, le chenipan a pas l'air d'avoir énormément d'attaque. Hop. Ah, fer au singe niveau 9. Et fer au singe apprend balayage. Donc, objectif atteint. Oui, du coup, maintenant que j'ai atteint mon objectif, je vais. Hop, le Roucool. Hop. Oh, ça va être un combat interminable encore.
Parce que les chrysaciers des dresseurs n'ont toujours que armure. Merci les dresseurs de me faire mentir. Il avait sécrétion également. On peut donc supposer qu'il a charge. Hop, bon déjà je lui fais plus de dégâts. Ça va être long. Moi je lui enlève rien quoi. Hop. J'ai pas l'impression que tu m'as assez ralenti comme ça. Hop. Ah, il a charge. Donc c'est un... Ce n'est pas un chrysacier sauvage, c'est un chenipan évolué. Parce que les chrysaciers sauvages, ceux qu'on croise, ont uniquement armure. Alors que si on veut un chrysacier avec d'autres attaques que armure, il faut faire évoluer un chenipan. Hop. Bon, il serait temps de sortir de la forêt de Jade quand même. Ouais. Maintenant que j'ai atteint mon objectif avec Ferrocin, je vais hop un peu le roucoul. Je ferai des hautes herbes. Donc un chenipan niveau 4. Hop. Vu la différence de niveau, c'est une balade de santé. Une promenade de santé, pardon. Il me semble que c'est ça l'expression. Voilà. Ah, Roukou niveau 9. Ce qui est vraiment pas mal aussi. Bon, s'il pouvait apprendre une attaque utile autre que Tornade, ce serait pas mal. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Je vais appeler un peu le Pikachu du coup. 3 Pokémon level 9 en sortie de la forêt Jade, ça me paraît bien. Parce que si je dis pas de bêtises, les Pokémon de pierre sont un Rakaillou level 10 et un Onix level 12. Qui ont pas d'attaque ultra cheat. Du moins le Rakaillou a juste charge, je crois. Qu'est-ce que j'ai en bas? Un objet. Une potion. C'est cool les potions. Hop. Encore un chenipan. Level 3. Bon bah. Pikachu, vas-y. One shot le. Voilà. Bon, ça fait pas mal d'XP, hein, juste 22 points. Et là, nous avons le dernier dresseur de la forêt de Jade qu'on ne peut pas éviter. Qui a juste un seul Pokémon. En fait, c'est Bidon. Ah ouais, je n'ai pas level 10 quand même. Hop. Bon. On vient de faire up le Pikachu level 9. Critique, ok. Je vais tenter un truc. Hop. C'est assez risqué ce que je vais faire. Sécrétion. Merci Chenipan. Donc là, j'aimerais que, du coup, ne le one-shot pas, ne le one-shot pas, ne le one-shot pas. C'est bon. Hop. Vas-y, tu le. Purée, même pas assez d'attaque pour le tuer. Hop. Voilà. Donc Pikachu 55, Nidoran 55. Donc Nidoran monte au niveau 5. Je pensais, j'aurais voulu qu'il en gagne un peu plus, mais bon. On peut pas tout avoir. Hop. Continuer. Purée, encore une. Chenipan. Level 4. Hop. Blague. Ah non, il l'a même pas tué. Bon.
Bon, voilà, un peu d'XP pour le Pikachu. Et nous allons sortir de la forêt de Jade. Nous allons monter jusqu'à Argentin. Voilà Argenta, je sais plus où le centre Pokémon, le voilà. On va soigner tout ça. Hop. Hop. Puis bah je pense qu'on va aller taper Pierre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même le but d'Argenta. Voilà. Je ne sais plus où est son arène. Faut que je remonte. On va sauvegarder quand même. Donc 43 minutes. Hop. Je pense que je vais faire le combat contre le dresseur avant-pierre. On peut éviter. Pour farmer un peu, et je viens de penser que j'ai pas remis mon fer au singe en premier, ce qui va être un peu galère. Qu'est-ce que j'ai en premier? Je dois avoir... Non, j'ai Pikachu en premier. Ouais, Pikachu, non. Non, non, ça va pas être possible. Hop. En avant fer au singe. Hop. Ouh, ça fait mal ça. Balayage. Voilà. Là, c'est une attaque qui fait mal. Bon, je vais essayer de maintenir en vie le fer au singe quand même. Parce que sinon, je vais un peu en chier. Hop. Balayage. Purée. Sabelette. Non, je vais continuer à taper avec le fer au singe. Hop. Oula, je vais pas faire très très mal. Et lui va me faire assez mal. Hop. Ouf. Donc balayage, oui, a une chance de mettre la trouille à l'adversaire. Bon, bah, au revoir fer au singe, je vais retourner au centre Pokémon après. Et comme j'ai quasiment plus rien à faire, je vais mettre le Nidoran. Hop, Nidoran. Hop, charge. Bon, faudra qu'il survive. Il a survécu. Bon, faut qu'il survive à deux attaques. C'est bon. Voilà. Donc... Oh la vache! Nidoran était level 5, il vient de up level 8. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais. Ah, je suis sur le recul. Bah du coup, maintenant, j'ai un quatrième Pokémon compétitif. Enfin, compétitif. Ferro-Singe, Pikachu, Rukul et Nidoran. Ça peut être vraiment utile. Je vous avouerai que je suis assez content de mon début de partie. Parce que c'est vraiment la plaie Pokémon jaune, le début. Je pense que mes camarades sur les autres versions avec d'autres starters auront beaucoup plus de facilité. Ouais, hop. Voilà. Je vais sauvegarder. Non. Je vais remettre Fer au singe en premier, ça me paraît quand même un peu le but. Puis bon, quand même j'aime bien que mes Pokémon soient bien rangés. Voilà, je vais remettre Nidoran en quatrième position. Hop, maintenant on va pouvoir aller voir Pierre. Blablabla.
Hop. Donc si tout se passe bien, ce sera rapide. Si ça se passe mal, ce sera très très long. Donc Rakayu, level 10. C'est ça, level 10. Hop. Balayage. Sérieusement? Donc l'avantage aussi, c'est que les Pokémon de pierre sont globalement assez lents. Ce qui fait qu'on attaque en général en premier. Hop. Donc voilà, plus de Rakayu. C'est très efficace. Hein. Donc Onyx. Bon, on va garder la même strat. Hein. Spam balayage. Donc hop. Oh merde. Crotte, zut. Donc Onyx a fait patience en premier. Ce qui va nous poser un petit souci. C'est que patience est une attaque un peu particulière. C'est-à-dire que le Pokémon qui fait patience va absorber les dégâts pendant un certain temps. Et va ensuite renvoyer le double des dégâts subis. Oh la vache! Pourtant je suis pas enlevé. Bon bah ça one shot le fer au singe. Donc là ça va être très très long. Oh purée. Coup critique derrière, évidemment. Hop. Donc là, j'essaye de gagner du temps. Purée, un deuxième coup critique. Bon, c'est un peu ridicule, mais je vais essayer de maintenir Rukul en vie pour faire encore plus de jets de sable. Donc là, pendant qu'il fait patience, l'idée c'est de ne pas lui faire de dégâts. Vu qu'il renvoie le double des dégâts subis. Donc je vais spammer le jet de sable. De toute façon, c'est déjà ce que j'avais l'intention de faire. Donc voilà, l'attaque a échoué parce qu'il n'avait pas de dégâts à renvoyer. Hop. Bon, je suppose que je vais rien lui faire. Ah ouais, non mais vraiment que dalle quoi. Bah juste pas mes jets de sable encore. Hein. Ah, j'ai atteint le niveau max en jet de sable. Hop, Nidoran, on va voir s'il est plus efficace, mais je ne pense pas. Hop, rien à envoyer. Ouais, c'est un peu mieux que Tornade de Rukul, mais c'est pas génial. Ah non, c'est vraiment pourri. Hop. Bon, je suis désolé, c'est vraiment pas passionnant et ça va être très très long. Hop. Donc je vais enlever la moitié de la vie. Ouah, le coup critique de la folie. Je pense que Onyx va mourir de vieillesse. Tellement c'est lent, il va mourir de vieillesse avant que je puisse le tuer. Hop. Donc là, comme je l'ai bien spammé de jet de sable, il arrive même quasiment plus à m'attaquer. Heureusement, parce que l'étreinte est assez chiante comme attaque. Il semble que c'est comme Ligotage, ça attaque sur plusieurs tours. Ah, réussi à faire patience. Bon, par contre, je vais me prendre le coup de corne dans la tronche. Ouais. Bon, je vais l'enlever de la défense. Ouais, comme je lui fais aucun dégât, même s'il m'en renvoie le double, ça représente que dalle. Hop. Ah, ce n'est pas très efficace. Hop, coup de corne. Hop. Bon, à force, on va réussir à l'avoir. Hein. À force. Coup critique. Bah oui. Bon. Hop. Sachant que je lui ai fait baisser sa défense quand même. Ridicule. Hop. Bon, dans l'idée, voilà. Au prochain coup, il est mort. Voilà, voilà. Bon,
C'était un peu fastidieux. Bon, Roku niveau 10, ça c'est cool. Et Nidoran niveau 9, ça c'est cool aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai Roku niveau 10, Pikachu. Pikachu Féro Singe et Nidoran niveau 9. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Hop, donc blabla, des sous. Donc je vais pas tenter d'aller au Mont Sélénite maintenant. Hein. Donc voilà, il me donne une CT. CT qui ne marche qu'une seule fois, contrairement aux versions supérieures de Pokémon. Les CS peuvent être utilisés à l'infini et ne peuvent pas être oubliés, et les CTS peuvent être utilisés qu'une seule fois. Donc ce que je disais... Ah, Pikachu est que niveau 8, il me semble qu'il était niveau 9. Bon, on va sauvegarder. 53 minutes. C'est pas mal. Hop. Bon, on va aller faire un tour, je sais pas trop où. Bon, on va aller soigner les Pokémon, puis je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Donc, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez-vous sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et puis, à la prochaine. Ciao !